Si la visite du despote Denis Sassou Nguesso au Rwanda a suscité une vague d'indignation dans la sous-région des Grands Lacs, notamment à Kinshasa et à l'international, une citoyenne de la RDC brosse le tableau du complot qui se joue au Congo, mais surtout conscientise les populations congolaises de Mfoua Mavula sur le danger des accords secrets signés entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame. Une brillante analyse qui met en avant le scepticisme de certains opposants congolais au sein de la diaspora. Bonjour, je viens faire cette vidéo pour m'adresser à tous les Congolais de Brazzaville. Chers Congolais de Brazzaville, au lieu de faire de vidéos de midi à 14h matin au soir pour inciter les Aïrois de l'autre côté, prenez aussi le temps de vous battre et de faire des vidéos pour ce qui se passe dans votre pays. En ce moment, ce qui se passe est très grave. Votre président qui a mis un siècle au pouvoir, la Sassou Nguesso Papa, votre président là, il est en train de vendre le petit Congo Brazzaville au Rwandais. Moi, je suis une citoyenne zaïroise, hein, comme vous nous appelez, du Congo de l'autre côté. Vous savez ce qui se passe dans notre pays? Paul Kagame est en train de massacrer notre peuple depuis plus de des décennies. Nous sommes aujourd'hui à 12 millions de morts et 6 millions de femmes violées. Et aujourd'hui, votre papa là, qui a fait un siècle au pouvoir, il est en train de vendre et amener ces Rwandais dangereux dans votre sol. Vous allez le regretter. Réveillez-vous, chers Congolais, car les complots, ce que Sassou fait là est très dangereux. Il ne sait pas, Kagame est là, c'est un malicieux. Au lieu de nous inciter, de faire ce que vous faites, vous êtes libre. Sortez dans la distraction parce que ce qui se passe est très grave. Moi, je vous parle, je suis témoin oculaire et je suis une preuve de ce qui se passe. Moi, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu beaucoup de personnes de ma famille. Kagame est très dangereux. Sassou est en train de vendre les Congo Brazzaville. Vous avez un petit pays comme ça. Et il est en train de vendre des terres au Rwandais. Venez nous demander ce que nous subissons là. Je vous jure. Hein. Même plus tard, vous me donnerez raison. Chers Congolais de Brazzaville, réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez les accords que Sassou est en train de signer avec Kagame est très dangereux pour vous. Levez-vous pour vos sols là. Parce que c'est très dangereux. Regardez, on nous tue nuit et jour. Ce qui se passe au Congo, Kinshasa, est très grave. Et aujourd'hui, Sassou, il est fier de s'afficher avec ses criminels sanguinaires et signer des accords, des données aux Rwandais, Pour finir, bande Konanga et Congo Brazzaville, Bozomo na Makambo et Zole Kana Congo Kinshasa. C'est la même chose qui va vous arriver. Parce que je veux vous expliquer, Paul Kagame, c'est un expansionniste. Azolou Kabater, parce que chez lui, là, ils ont des crises agraires. Bazan espacité. Moutouana, Bazaba dominateur, ils ont besoin de s'encamparer de l'Afrique centrale. Bazana complot na Bango sur le Congo Kinshasa, Centrafrique, Brazzaville pour contrôler, pour dominer. Pour Bango ba régner, biso ba bantu, tous à la minorité. Bako boma, ba bomaka sans pitié. Ceux qui boye bite boza kaka na distraction bino ba congolais à Brazzaville. Ata bo finga kabiso, nous quand même on se réveille, on se bat pour notre pays. On a chassé Kabila. Bientôt, on va chasser Tshisekedi. On va chasser tous ces traîtres-là. Bino Bossa la Kanini. Midi à 14h, Kofi Nakaba. Zaïroise, c'est ci, c'est là. Mais levez-vous. Chassez votre papa là qui a fait un siècle au pouvoir. Là, il est en train de signer encore des accords très dangereux. Le despote Denis Sassou Nguesso, qui considère le Congo comme un héritage familial, engage le pays dans un vaste projet post-colonial et expansionniste du tyran Paul Kagame. Il suffit de voir ce qui se passe dans la partie est de la RDC pour mieux appréhender nos propos. Mûr de son âge et de sa vulnérabilité avancée, le despote Mboshi met en danger l'intangibilité des frontières de la République du Congo en cédant une partie de son territoire au Rwanda via des accords agricoles farfelus. Nous appelons à un sursaut patriotique. Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Niger, et demain, peut-être le Congo. Denis Sassou Nguesso, ange dément.